Ellie n'a jamais été une enfant comme les autres. Quel syndrome ? Comment ça ? Quel syndrome ? Pourquoi est-ce que tu appelles ta grand-mère Mrs. Gossip ? Il fallait lui trouver un nom ! Quoi ? Parce que sinon elle s'appellerait Hartman ! C'est évident ! Si je te demandais, là, mais tu n'es pas obligée, si je te demandais de me dessiner ta famille, Elmo m'a passé un savon. Il a eu raison. Il m'a dit comme ça. La colère, c'est bon pour les moches. Les moches? Ouais. Il y a des princesses moches. Pour l'instant, j'en suis aux elfes. J'ai dit que je rappellerai. C'est vrai, quoi. Quand Mrs. Gossip me voit, c'est que j'ai dépassé les bornes. Que connais-tu de mes goûts, Péronnelle ? Mrs. Gossip dit Péronnelle. Sans doute parce que tu l'es un peu. Merci, Mademoiselle Meyer. Ce genre de mot va avec le genre de musique que Mrs. Gossip écoute. Mais je n'écoute aucune certaine... C'est ce que je disais. La gouvernante de votre propre petite fille, c'est cela ? Si nous abordons le chapitre de la normalité, Mademoiselle Meyer, je crains que nous n'empruntions pas les mêmes chemins, voyez-vous. Ma mère parlait de mes questions embarrassantes. Je... Votre question est embarrassante. Vous devriez essayer de voir le monde dans ce sens-là. Vu du dessous, il est beaucoup plus drôle.